Alors, votre personnage dans le film, vous êtes une opticienne. Oui. Et le petit garçon vous aime bien jusqu'à ce qu'il comprenne que vous êtes la maîtresse de son père, quoi. Et ouais. Sonia, quand on est Miss France et métisse, ça doit être encore plus dur que pour les autres, non, d'y arriver? Bah ouais, c'est des casseroles en plus, quoi. Ouais, ouais. Ouais. On est obligé d'être bonne? Toujours. Alors vous dites que vous avez parlé avec Mousse Diouf, avec Dieudonné, avec Légitimus, qui vous ont dit que ça sera encore plus dur pour vous au départ. Bah, oui, certains m'ont dit qu'il fallait que je me batte deux fois plus que les autres. Hein. Maintenant, moi, je suis une fille très déterminée et puis j'aime réellement ce métier. Donc voilà, j'ai pas peur et puis j'ai de très belles choses pour l'année prochaine, donc on verra. Ah bon? Alors, vous n'avez pas pu aller assister à la commémoration du génocide du Rwanda? Non, j'étais en tournage. Ouais. Ma mère a été avec mon père, mais... Bah écoutez, je sais pas quoi dire à propos de ça. Non, mais je dis pas réellement les choses, quoi. Le président Kagame, vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Oui, j'ai rencontré. Quand il accuse la France de ne pas avoir demandé pardon et que ce pauvre Renaud Muselier est obligé de partir en courant, vous pensez quoi? C'est peut-être vrai. Et peut-être aussi que la France n'a pas fait les choses en temps et en heure. Ouais. Au moment où on avait besoin, justement, d'entendre ça, quoi. Ouais. Tout le reste du monde, d'ailleurs, hein, de laisser 500 000 personnes se faire tuer à la machette sans bouger une oreille. Il y en a qui l'ont reconnu. Plus 500 000 les USA, la Belgique et l'ONU se sont excusés, la France n'est pas excusée. Bah, qu'ils le fassent, il n'est jamais tard. Je pense que c'est un respect pour toutes ces personnes qui sont non seulement veuves, puis orphelins. Il y a 600 000 orphelins au Rwanda et il serait bon de leur montrer un certain respect, quoi. Voilà. Ça vous embête de vivre dans un pays qui ne s'est pas excusé pour ce qui s'est passé? Bah, oui, ça m'embête, mais ce qui m'embête le plus, c'est de voir mon père en avoir honte, quoi. Mmh. Il est français, hein. Voilà. Ouais. You know, I don't wanna... Je crois que les excuses, c'est de la merde. What everybody should do is fucking... Ce qu'il faut faire... C'est aider les 600 000 orphelins rwandais, peu importe, mais en tout cas, il faut aller aider, aller donner de l'argent, améliorer l'éducation, faire quelque chose, construire des écoles. Mais elle a fait coulure, excusez-moi, mais... Oh, putain, avec les excuses. Si vous me faites mal, vous faites mal à ma famille, je m'en fous des excuses. Je veux que les choses s'améliorent, je veux que les choses soient faites correctement. Ne vous excusez pas, faites quelque chose. Alors, Sonia, tout va bien pour vous, on va vous faire une interview. Ardilou.